complètement différent. Hein. C'était bien, on a été étonnés un peu de nos temps ce matin, dans le rythme comme ça, c'était bien. On a bien bossé les caméras, je crois qu'on a de bonnes notes, donc ça nous permet d'être directement confiants en fait au premier passage. Je suis quand même arrivé en ERC avec zéro expérience et tous les rallyes sont différents, donc je dois un petit peu tout réapprendre à chaque fois aussi. C'est long, c'est très très long. On est obligé de sauvegarder la voiture, sauvegarder la mécanique pour finir. Aujourd'hui, il restait quand même beaucoup de kilomètres, donc c'est vraiment pas évident de trouver un rythme sans faire d'erreur. On laisse à peu près une seconde au kilomètre par rapport à Andreas Crignola, mais bon, ça fait partie du jeu, on essaie de tout faire pour remporter le titre. It's a good race for me, and this rally is more difficult and very, very difficult. I am very happy. We broke shock absorber, so the mechanics are changing the piece. I heard some noise after the first stage, and this is the problem we had. But you know, after in the second stage and third stage of the loop, we just cruise into the stage. So now the mechanics are doing their job, and we hope to fix the car for last loop. On ressent en frein gauche 82, en frein 10 mètres, épingle gauche 20, bordure pas corde, épingle gauche 20, bordure pas corde, elle plonge, 10 mètres, droite 70, 10 mètres, droite 70, 40 mètres, frein humide, point gauche 90, en frein, point droite 72, referme en frein, 72, referme en frein, dans un gauche 51, tour en frein. Yeah, it has been a perfect weekend for us. No mistakes. The team works very, very worked very, very good, very, very well. So yeah, we are happy. But you know, finish second in championship, it's not our objective. Un mot, hein, magnifique. Franchement, il y a vraiment une saison complète et riche en émotions. Deux titres mondiaux, un championnat d'Europe, un championnat du monde. On ne pouvait pas rêver mieux. Et puis en plus, vraiment un sentiment accompli d'avoir remporté ce week-end le titre. Et c'est vraiment quelque chose de super.